On poursuit dans un monde digital, dans un monde d'entrepreneurs. Nous sommes sur WeDoBiz au Sage Summit Paris et j'ai le plaisir d'échanger avec David Soussan. Bonjour. Bonjour Thomas. David Soussan, vous êtes le PDG de Qesys. Oui, c'est ça, Qesys. Donc nous sommes un distributeur de solutions de gestion et intégrateur. Notre éditeur principal, c'est Sage. Et nous distribuons l'ensemble de la gamme de Sage, aussi bien celle destinée aux petites entreprises, qui s'appelle aujourd'hui la ligne 100, que celle destinée aux moyennes et grandes entreprises, qui s'appelle les lignes 1000 et Sage X3. Nous sommes 60 salariés et on réalise 7,5 millions de chiffre d'affaires. Une belle entreprise donc qui, j'en suis sûr, est confrontée aux problématiques de transformation digitale. C'est le gros sujet du jour. Aujourd'hui, la vision Qesys sur cette transformation, c'est quoi ? Alors, on sent effectivement une forte pression pour une transformation digitale, une pression qui vient de partout, en fait. Aussi bien les personnes, à titre individuel, dans leur vie courante, utilisent de plus en plus les outils technologiques, les outils de communication, Facebook, etc., que dans l'entreprise, où les formes d'organisation évoluent. On a de plus en plus de personnes qui travaillent à partir de chez elles ou qui travaillent à distance. Et donc, on a besoin d'avoir un support digital beaucoup plus fort, en fait, quasiment pour remplacer les locaux de l'entreprise. En fait, on ne se réunit plus dans l'entreprise, mais on se réunit sur une plateforme technologique. Voilà un peu comment je vois les choses. Donc, une vraie rupture d'usage. Une vraie rupture. Une vraie rupture. Et alors, on est au bon moment. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a germé pendant pas mal de temps, et c'est principalement dans la vie personnelle qu'on a commencé à l'utiliser, ce qui est très différent des évolutions précédentes. D'accord ? Donc là, elle a fermenté dans la vie personnelle, et puis je crois qu'on arrive au moment où les entreprises veulent l'utiliser au niveau business. David Soussan, c'est le moment du FASCAM. Les yeux dans les yeux avec les entrepreneurs, vous avez 30 secondes et carte blanche. Bonjour, donc ce que je peux dire de par mon expérience, de ce que je vois sur le terrain, c'est qu'effectivement il y a une pression aujourd'hui qui pousse les entreprises à devenir digitales, à avoir une vraie plateforme de communication entre les salariés et cette plateforme est importante parce que d'une part elle vient se substituer finalement aux lieux de rendez-vous qui sont dans l'entreprise, elle vient remplacer les rapports hiérarchiques en fait qui font qu'aujourd'hui on a besoin d'une communication plus différente pour pouvoir fonctionner. On a aussi la génération Y qui devient de plus en plus importante puisqu'elle prend de l'âge et elle représente une proportion plus forte dans l'entreprise. Et donc là, il y a une vraie pression pour évoluer. Et ça tombe bien parce que certains éditeurs, et dont Sage, ont maintenant une offre qui nous permet d'utiliser ces outils et de réellement concrétiser cette avancée dans l'entreprise. David Soussan, un grand merci à vous. Je rappelle le nom de votre entreprise, Qesys. On était sur WeDoBiz au Sage Summit Paris. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.